Salut les Céans, comment ça va? Cette petite vidéo pour vous annoncer officiellement le début de la prépa 2016. Donc ça va s'appeler Vegeta versus Europe IFBB. Je vous emmène avec moi jusqu'à mai 2016, jusqu'à Europe. Normalement c'est en Espagne, c'est à Santa Susana. Donc la KT c'est les moins de 70 kg. Le programme, peut-être je continuerai le PH3, sinon je vais switcher sur un upper lower avec un jour optionnel. Donc voilà. Je vous montrerai tout, les macros, comment je vais les manipuler, comment je vais rajouter de la dépense calorique avec du cardio, de la marche rapide ou alors du vélo elliptique, peu importe, ou des barbells complexes à la salle. Donc voilà, c'était pour vous annoncer ça. Ça commence aujourd'hui, c'est le D1. Là aujourd'hui, il y avait du squat, du bench, du deadlift. Je vous mets la vidéo. À bientôt les Saiyans. Je vous montre les petites séries de chauffe comme d'hab pour bien monter progressivement et pouvoir être prêt pour les séries plus lourdes. Troisième série de 3, franchement ce matin c'était pas dur, donc on essaie de faire des belles reps. Et dernière série, bon, on voit pas grand chose à cause du contre-jour, mais bon, je voulais vous montrer un autre angle. Donc là, on est passé au bench, 5 séries de 3 reps à 130 kg. 286 LB.
Donc dernière série, je me montre un petit peu comment je me place avant de pousser, comment je place mes jambes, etc. C'était le dernier set de 3 reps. Donc on est passé au deadlift. Non, pour vous expliquer un petit peu, donc là j'arrive, je prends la barre, je me dis tiens c'est parti, et je la sens super lourde, et en fait je me suis trompé de charge. J'ai mis 235 au lieu de 215, et du coup bah, j'ai fait toutes mes séries comme ça, tant pis. C'était pas si dur que ça. Je vous montre que deux séries au deadlift parce qu'après j'avais plus de batterie, mais voilà, mais j'ai fait 5 séries de 3 à 235 au lieu de 215. C'est passé, il n'y a pas de souci, c'était la fin du training de toute façon. Monster Wolf Music. Bon les Saiyans, de retour d'assage, je vous montre ce que je vais manger. Donc voilà. Alors oui, des frites, des légumes et du bœuf. Les macros, je les ai pas exactement en tête, mais il y a 180 g de frites au four, il y a 220 g de légumes là, et il y a 350 g de bœuf pesé cru. Donc voilà. Pour les macros, je vais vous dire ça tout de suite. Je dois les avoir dans mon téléphone. Voilà. Le repas, donc 918 calories, 78 g de glucides, 24 de lipides, 91 de prot. Et 1 de fibres, ce qui me paraît peu vu qu'il y a des légumes. Mais bon, voilà les macros du repas. Je passe à table, je vous dis à tout à l'heure, je vous montrerai peut-être la suite du repas. La suite de la journée, il me reste un repas, donc ça sera sûrement du poulet, des tortillas et une mousse au chocolat. Et à midi aussi, il y aura un extrême cône beurre glacé. Je vous fumerai ça tout à l'heure. Ah oui, donc le dessert, je vous le montre. Hein, c'est un cône extrême de chez Mico. Ça fait, celui-là, il fait, je crois, 10 grammes de fat. En gros, il fait 200 calories. Voilà, donc c'est mon dessert du jour. Flexible diète, les mecs. Bouh!